Dépêche-toi, il faut y aller. Est-ce qu'on est vraiment obligé? Jessica, dans 2 jours, tu fais ta rentrée au collège. Maman, écoute, je sais très bien que quand tu allais faire du shopping avec Bethany, c'était essayage à gogo, manucure et discussion de filles. C'est du passé. Maintenant, elle est à l'université. Et tout ce que je voudrais, c'est passer un peu de temps tête à tête avec mon petit trésor. D'accord. Allons-y. Génial! Allez! Tu vas voir, on va s'amuser. Alors, vous avez écumé toutes les boutiques? J'ai acheté un t-shirt. Un t-shirt gris, tout ce qu'il y a de plus basique, qu'elle a trouvé dans un coin au rayon des bonnes affaires, tout froissé sous une pile de vêtements. Enfin, ce qui compte, c'est que je me sois acheté un vêtement neuf dans un magasin branché. Tu devrais être contente. Maman m'a envoyé un texto. J'ai fait aussi vite que j'ai pu pour venir. Pourquoi? Y a un problème? T'es pas censée avoir cours? Les cours peuvent attendre, vu l'urgence de la situation. Maman m'a parlé du centre commercial. Oui, c'est un grand bâtiment avec à l'intérieur un tas de magasins. Jess, t'as besoin d'un coup de pouce. T'as vraiment envie de débarquer au collège avec des guenilles sur le dos? C'est maman qui a parlé de guenilles? Je t'ai amené quelque chose pour toi, ma chérie. Un coupon expiré pour un restaurant thaï? Chouette! Merci. C'est de l'autre côté. Le guide de survie de Bethany Darling. Le manuel incontournable pour devenir populaire, être belle et atteindre la perfection. T'es sérieuse, là? Sérieuse ici. Ça se dit pas? Tais-toi, Ellie. Numéro 1, changer de tenue tous les jours. Numéro 2, intégrer l'équipe de majorette. Moi ça. Numéro 2, intégrer l'équipe de majorette avec 4 points d'exclamation. Numéro 3, bien choisir ton premier petit copain. Et numéro 4, traîner avec les gens cool. Compris? Ça dépend. Je suis censée faire quoi de cette liste? La vivre. Si tu suis ces conseils, tu passeras la meilleure année de ta vie. Et sinon? Ce sera la misère totale. Salut Jess! Salut Bridget! Qu'est-ce que c'est? Mon panneau de décision. J'ai pratiquement réussi à me décider, à quasi 100%, ou presque, à faire une sélection entre ces 4 styles de coiffure, ces 3 petits hauts, ces 5 pantalons et ces 2 paires de chaussures. Quoi? T'as au moins 1500 combinaisons possibles? T'es complètement dingue. Je te demande pas de calculer, mais de m'aider. D'accord. La queue de cheval mais pas trop haute, le top à rayures, le jean skinny et les tennis. Voilà, c'est réglé. Sobre mais efficace. Merci. T'es rassurée, ça va mieux? Oui. Enfin, pas vraiment. Je suis pas du tout rassurée. Je reviens pas qu'on soit les seuls de notre ancienne école à aller à Westside. On est comme des exilés. On est toutes les deux. C'est déjà ça? C'est pas suffisant. Il faut absolument que tu trouves un nouveau nom. Pourquoi? Parce que t'es dans la classe des bons élèves. Et pas moi. Le seul moyen d'avoir des cours ensemble, c'est d'être en vie de classe ensemble. Et c'est par ordre alphabétique. Ton nom commence par un D, le mien par un M. Alors, ce qui serait super génial, c'est que tu le changes. Tu pourrais être Jessica Marling. Tu trouves pas que ça sonne bien? J'ai une idée. Bridget B. Malokovic. Pourquoi est-ce que tu changes pas le tien? Parce que ma mère m'a offert ça. C'est chouette, non? Toi aussi, il faudrait que t'en aies un. Ah! Ferme la bouche! Cet appareil m'aveugle! Et toi alors, qu'est-ce que tu vas mettre? Il faut que j'aie une tenue différente tous les jours. Qu'est-ce que t'entends par tenue différente? Hmm?
Et ça, on peut dire que c'est différent. T'es sûre que tu veux pas détacher tes cheveux? Au moins le premier jour. Ah, d'accord. Ben voilà. Ça m'agace, ça y est. I'm feeling alive. I will never let this go. Wow. I'm feeling alive. Ooh. Ouais. Bridget, on dirait un vrai top model. Merci. Qu'est-ce que t'en dis? T'es carrément à tomber par terre. Quand est-ce que t'as enlevé ton appareil? Hier après-midi. Je voulais te faire la surprise. Mais cette tenue était pas dans ta sélection. Ma mère m'a emmenée au centre commercial. Tu devrais y aller, toi aussi. Oh, je fais une photo. Papa, on n'a pas le temps. Viens là pour une seconde. Dites camembert. Gorgonzola. Relève le menton. Voilà, je pense que c'est bon. Ma chérie, ça va aller. Sois naturel. Merci, pa. Je suis super mal habillée. Quoi? C'est pas vrai. J'adore ton t-shirt. J'aimerais être assez cool pour oser le porter. C'est sympa. T'es prête? Pas vraiment. Moi non plus. BMB. Et si nos casiers sont pas à côté? Si c'est le cas, on pourra peut-être échanger avec quelqu'un. J'ai apporté un truc super joli pour le décorer. Attends, regarde. Bridget, tu les laisses faire, tu dis rien? Je comprends pas. C'est à moi qu'ils parlent. Enfin, parler, tout est relatif. Mais ils sont dans la classe supérieure. Ouais. J'ai vu. C'est l'énorme nuage de déodorant qui plane au-dessus d'eux qui m'a mis la puce à l'oreille. Dis, si tu finis avant moi, tu me gardes une place, d'accord? Je comptais pas m'asseoir avec l'équipe de football, t'inquiète. Pousse-toi. Bah, qu'est-ce que tu fais alors? Moi, c'est Burke Roy. Je te réserve un siège pour le retour. Permettez-moi d'être votre comité d'accueil personnel à Westside. Pas mal, hein? D'accord. Et ça, c'était mon pied. Ah, désolé. Ton nom? Jessica Darling. Ne reste pas là. Va t'asseoir. C'est que je connais personne ici. Ça fait rien. Les places sont attribuées par nom. Tu es juste là. D'accord. Non, c'est rien. Je l'ai en plusieurs coloris. Je m'appelle Sarah. D'Abruzzi. Je m'appelle Jessica. Et avant que tu me le demandes. Oui. Les fameux d'Abruzzi. Elle t'a rien demandé. Je suis sûre que ce nom lui est familier. J'ai pas l'impression. Hop. Tu veux bien, s'il te plaît, me laisser faire connaissance avec Justine? C'est Jessica. Moi, c'est Hope. Sarah essaye seulement de te faire savoir que son père possède tous les glaciers de la promenade. Oh, chez Walidis? Cool. Oh, c'est rien d'exceptionnel. Et sinon, t'as quitté la campagne et tu viens d'emménager ici? Non, avant j'étais à Green Valley. Mon ami et moi, c'est on vient cool. de... Cette classe est pourrie. Les mecs les plus mignons ont tous des noms qui vont de F à M et évidemment, ils sont en classe B. Ne le prends pas mal. Scotty Glazer est en B. Que les choses soient claires. J'ai déjà mis une option sur lui, compris? Compris. Je te laisse, Scotty. C'est qui, Scotty? Et quand est-ce qu'elle a mis une option? Avant les cours, pendant les vacances, je suis censée avoir été informée? Te prends pas la tête. Trop tard. On s'écrit pour les devoirs? Ouais, ça marche. Dac. Super. Eh ben, contente de t'avoir rencontré. Hop et moi, on a un cours d'anglais avancé. Oh. Vous êtes en avancée? À ton avis, je suis super intelligente. Les glaces, ça ouvre beaucoup de portes. Ah. Salut. Oh,
Désolée, j'ai réservé que deux places. En plus, je te connais pas encore. Avec des inconnus, je me méfie. C'est rien, je vais m'asseoir là, derrière. Salut. Bonjour à tous et bienvenue en... Le groupe pour mon mariage vient d'être annulé. Je reviens tout de suite. Elle est bizarre. Smiley perplexe, c'est clair. Smiley, les yeux au ciel. Vous êtes en train de vous écrire des messages alors que vous êtes assises l'une à côté de l'autre et que vous parlez à voix haute? Regarde, j'ai envoyé ça à Scotty. La fille qui lève la main et le hamburger. Ça fait la fille désespérée. Il saura ce que ça veut dire. Il n'est pas question que je me rabatte sur un DJ. En attendant, écrivez-moi un poème sur ce que vous voulez. On a du temps à tuer. Vous êtes prête? Pour faire quoi? Préparer le plan d'action du déjeuner, à ton avis. Alors, là, c'est la cour. Si on veut une bonne place, c'est sur les tables rondes qu'il faut viser. C'est là qu'on a le plus de chances de voir les trous sans se faire repérer. Les trous? Le camp des trous cool. C'est la première fois que tu sors ou quoi? Non, c'est juste que j'y avais jamais pensé avant. Voilà tout. Enfin, là, on est au collège. Il serait temps de t'y intéresser. Ça t'intéresse? Un petit peu. Le tout, c'est de faire gaffe à pas se retrouver à côté des poubelles. Faudrait surtout pas qu'on nous prenne pour... Laisse-moi deviner. Des trous nuls? Et toi, t'es quoi? Et moi, je suis quoi? Nous, on est quoi? Les premiers jours, on est considérés comme ordinaires. Jusqu'à ce qu'on prouve qu'on n'est pas des nuls. Et qu'on intègre l'élite. Ça fait rêver. C'est tellement beau. Dire que c'est peut-être le moment le plus important et le plus crucial de notre vie. Jessica, t'as l'intention de nous aider ou pas? Bien sûr. Je cherche seulement mon ami. Il va te déparassonner. C'est maintenant. Dépêchez-vous. Les filles, tu cours vite. Tu peux rester alors. Pourquoi? J'étais encore en période d'essai? Ça ne sert à rien de poser trop de questions. Qu'est-ce que tu regardes? Je connais une de ces filles. Elle s'appelle Dory. C'était ma meilleure amie du CP au CM1. Ensuite, elle a changé d'école. Je me sens mal du coup. On peut peut-être lui proposer de venir? Ah, comme c'est touchant! Tu es tellement prévenante! Alors? Je réfléchis... Non. D'accord, mais j'aimerais au moins garder une place pour ma meilleure amie Bridget. Elle était super stressée à l'idée de manger seule. J'ai peur qu'on soit un peu serré. Oh, c'est pas vrai. C'est qui, celle-là? I'm feeling alive. I will never let this go. I'm feeling alive. Ooh. Jessica! Tu la connais? C'est qui cette fille? C'est Bridget, ma meilleure amie. Salut! Salut! Oh, j'ai l'impression de t'avoir quitté il y a un siècle. Moi aussi. Oh, je suis désolée. Je me suis assise à votre table sans même me présenter. Moi, c'est Bridget. Moi, c'est Manda. Et voici Sarah et Hope. Salut! Ça vous ennuie si Jessica et moi on reste avec vous? Ben. Non, mais tu veux rire? Grâce à toi, on est au sommet de la coolitude! Et regarde! On a toutes le même bracelet! Copine de bracelet! Tu vois, on était faites pour être amies. On a toutes cours d'économie domestique, c'est génial! Est-ce que c'est la même chose que art et technologie? Non! C'est un atelier où on découpe du bois. Jessica, il faut que tu changes ton emploi du temps. Genre, de toute urgence. Sauf que c'est pas le cours que j'avais choisi. Ils ont forcément fait une erreur, non? Une erreur? Ça m'étonnerait. Désolée.
C'est sûr que l'atelier cuisine en économie domestique est moins risqué. Il est monstrueux! Il est énorme! A-t-on déjà vu une créature aussi géante? Je mange beaucoup de choux, c'est pour ça. Bien. Permettez, s'il vous plaît, que je me présente comme il se doit. Je m'appelle donc Monsieur Poodle. Oui. Je vous préviens, le premier qui osera me traiter de pudding, de flan, de crème chocolat, de gros gélatineux, sera forcé de nettoyer la sueur de bois pour le reste du trimestre avec sa langue. Excusez-moi, Monsieur Poodle. Je crois que je suis pas censée être à ce cours. Ton nom ? Jessica Darling. Jessica Dring Dring, Jessica Bling Bling, Jessica Darling. Oups, t'es sur la liste, ce qui veut dire que tu es bien inscrite à ce cours. Mais j'ai... Alors, quoi de neuf, Hagrid ? Celle-là, on me l'a jamais faite encore. Tu seras de corvée de sûr, Alec. Mon nom, c'est pas Alec. Je m'en fiche que ça soit ton nom ou pas. Ici, tu t'appelleras Alec, comme dans Alexandre le Grand, mais sans le grand, et Lec, comme celui qui lec la sûre. Va t'asseoir avec Clem. Qui ça? Clémentine, sous tes yeux. Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clémentine. Décidément, c'est de pire en pire. Je suis obligé de faire équipe avec une fille, c'est vraiment injuste. La vie est injuste. Il me manque 3 doigts à la main droite. Tu trouves ça juste? Hein? Hop. Je vous ai eu. C'est qui les flancs? Bon, écoutez, si aucun d'entre vous ne perd de membres durant ce cours, je gagne un super chèque cadeau dans une quincaillerie. Alors, soyez prudents. Je te rassure, on fera pas équipe longtemps. Je vais me débrouiller pour changer de cours. Oh, je suis désolé, je me suis renseigné. Et il n'y a plus une seule place en sciences de la famille et économie domestique. Traduction, art du foyer. Traduction, atelier cookie et guili-guili pour débutants. Cet atelier est de tous les cours le plus captivant. Du dessin, des sciences, de l'ingénierie. Il n'y a rien de plus stimulant que le travail manuel, Clem. Tous en cœur! Qu'est-ce que tu disais, Clem? C'est Clem. Oh non, je m'appelle Clem. Tu veux un cookie? J'imagine que tu les as fait. Ouais, ce cours est génial. On fait que se marier cuisiner. Mais demain, tu seras avec nous. Le truc, c'est que je suis coincée en menuiserie. Mais ça veut dire qu'on n'aura aucun cours ensemble? Déjà qu'on a à peine eu le temps de se croiser. Ben, il nous reste toujours le bus. C'est vrai, on se fait un débrief express. Tu viens, Bridget? Je t'ai gardé un siège. Non, merci. Je vais m'asseoir avec ma meilleure amie. Allez, quoi? Juste quelques minutes. Ça t'ennuie pas? 1 minute et puis je te rejoins. Non, vas-y. Alors, comment s'est passée cette rentrée? Est-ce que tu t'es fait de nouveaux amis? Je crois, oui. Et Bridget? Est-ce que le collège entier, ça compte? Tiens ton courrier. Ah, merci. Ouais. Mais... Salut. Qu'est-ce que tu fais ici? Oh! J'avais envie que Jessica me raconte sa première. Mais comment est-ce que t'es fringuée? C'est un de tes vieux t-shirts? Où est-ce que t'as trouvé ça? Tu sais... Tes vieux t-shirts rétro que tu mettais en concert? Ils étaient dans le placard, dans l'entrée. Non! Tu parles de ces vieilles fringues toutes usées que papa mettait à la fac et dont je me sers comme chiffon à nettoyer. C'est pour ça que ça me disait quelque chose, ce truc. C'était quand j'étais svelte. Jessica, viens avec moi. Tout de suite. Ah. Hein? Comment t'as pu rater ça? J'ai peut-être été aveuglée par toutes ces paillettes. Figure-toi que j'ai les photos de toutes mes tenues de la 6e à la fin du lycée rangées là-dedans et pas une seule redite. Donc, quand tu disais qu'il fallait une tenue différente chaque jour, tu voulais dire différente dans le sens de pas la même. Et pas différente dans le sens d'original. Je reviens pas qu'on soit sœurs.
C'est ta faute. Pourquoi tu m'as pas expliqué ce que tu voulais dire? Enfin, écoute, tu es censée vivre une grande aventure pleine de découvertes. Maintenant, il faut que tu me dises la vérité. Dans la cour, est-ce que tu es déjà à côté des poubelles? Non. Oh, il te reste une chance. Qu'en est-il de la règle numéro 2? Devenir une majorette? Je t'avoue que c'était un peu la règle que je comptais esquiver. Si j'en ai 3 sur 4, c'est déjà pas mal. Écoute-moi, sans la règle numéro 2, cette liste ne vaut rien. Viens avec moi. Tu fais ta chef? C'est juste que je prends les choses à cœur. Je suis une battante. Je suis une battante. Un peu plus fort. On y est presque. Je suis une battante! Tu sais, tout ce qui compte vraiment, c'est que tu saches faire la roue. La roue, tu sais faire? Ouais. Tout le monde sait faire la roue. Qu'est-ce qu'il y a? Y a rien. Jessica, je connais ce... Qu'est-ce qu'il y a? J'ai strictement rien à me mettre. J'aurais dû t'écouter au centre commercial. Attends-moi un instant. T'appelles pour dire que je suis malade? Oh, je t'adore. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, j'avoue que je suis retournée faire les magasins, t'acheter 2-3 broutilles. T'avais prévu le coup? Je suis allée au collège avant toi, je sais ce que c'est. Merci. Jessica! Oh, j'adore, je suis fan, super fan, j'aime trop comment t'es habillée. C'est beaucoup mieux. Attends, hier tu disais que ça m'allait bien le style rétro. Et j'étais sincère, mais cette tenue, c'est plus... Moi? Plus... collégienne. Faut que je te dise. Te vexe pas, hein, mais... ce soir, je prendrai le bus un peu plus tard pour rentrer. D'accord. Pourquoi? Il y a les sélections de majorette. Je sais. Moi aussi, je vais me présenter. Mais je croyais que tu détestais ce genre de truc. C'est ce que je croyais aussi, mais j'ai changé d'avis. Je suis trop contente. Ce serait génial qu'on soit toutes les deux prises. T'imagines, on passerait une super année. C'est l'idée, ouais. J'ai pas vu ton nom sur la liste. Tu veux pas tenter les sélections? Il y a un million de raisons qui font que je décide pas. D'une, j'ai un cours d'informatique. De deux, je sais pas faire la roue. Et de trois, c'est comme ça. Je suis sûre que tout le monde sait faire la roue. Il suffit d'essayer. Enfin, je crois. Jessica! Jessica! Devine qui j'ai vu sur la liste. T'as forcément vu Nonon, le mien et celui de Sarah. Non. Dory. Superwitz. Tu savais qu'elle était dans ce collège? Je crois que c'est elle qui a... Jessica? Ah, je la vois. Je vais lui proposer de venir avec nous. Attends, t'étais déjà au courant qu'elle était ici? Non, j'étais pas sûre que ce soit elle. C'est bien elle. Allez, viens. Je me sens vraiment stupide. C'est bizarre. Elle était là il y a une seconde. Elle nous a peut-être pas reconnus. Ça doit être ça. En taille trop irrégulière, consistance mal imitée, c'était bien essayé. Waouh, il est fort. Dis donc, d'ailleurs, tu devrais peut-être regarder la vidéo de sécurité pour éviter que ça t'arrive en vrai. Non, j'aime autant aller voir les sélections des majorettes. D'ailleurs, bonne chance, hein. Comment tu sais que je me suis inscrite? Tu traînes avec celle qui se la raconte. C'est comme ça qu'on nous voit? Ça dépend à qui tu demandes. Regarde qui j'ai trouvé! C'est Dory. Le trio légendaire est à nouveau réuni. Salut, Jess. Hé, je savais bien que je t'avais vue.
J'en étais pas sûre. Je pensais pas que tu passerais les sélections. Oh, en fait, je me suis mise à la gymnastique tout récemment. Tu te souviens qu'à l'école, on avait la trouille de faire la roue? Ouais, ben, on n'était pas très dégourdis. Mais où sont Manda et Sarah? Bonjour les filles, je suis Madame Garcia. Bonjour Madame Garcia. Désolée, la salle est réservée. Je vais passer un casting aux filles. Ça ne fait rien, on va aller voir ailleurs. On va devoir faire du hors-piste pour changer. En espérant qu'on ne croise pas de serpent. Allez, allez! Mesdemoiselles, quand on dit que quelqu'un est génial, ça veut dire qu'il sort de l'ordinaire. Et c'est ça que nous visons dans l'équipe de majorettes de Westside. Nous sublimons l'ordinaire et nous le rendons super génial! Je vois pas ce qu'il y a de génial à taper des pieds. G-E-N-I-A-L. Génial! Génial! Nous sommes génial! Essaie de le faire avec nous. J'essaie. Nous inspirons ce qui manque d'inspiration. Nous motivons ce qui manque de motivation. Nous redonnons la foi aux incroyants. Je veux dire aux non-croyants. Je vais pas rester. Je comprends. Vous allez maintenant vous aligner par ordre de taille. 5 minutes de retard, 50 pompes sur le champ. Comment vous vous appelez? Manda Powers, Sarah Dabruzzi. Eh bien, Manda Powers, Sarah Dabruzzi, vous pouvez y aller. Vous êtes vraiment sérieuse? C'est vrai quoi, on est à peine en retard. Et d'ailleurs, la seule raison pour laquelle on est à peine en retard, c'est qu'on a beaucoup travaillé notre style. Ouais, vous verrez personne avec autant d'esprit d'animation. Non, parce que les autres filles ont suivi les instructions et sont venues avec la tenue réglementaire. Qui veut devenir une super majorette? Allez, voir ailleurs. Tout ça, c'est de ta faute. Mais non! Toi, là, tu es la petite sœur de Bethany Darling. Tu as cette silhouette de majorette qui ne trompe pas. Tu es une mini Bethany. Et surtout, une future capitaine d'équipe où je ne m'y connais pas. Waouh. Merci, mais je ne suis pas la sœur de Bethany. C'est elle, sa sœur. Jessica. Oh, bien sûr. Tu es Jessica, darling. C'est vrai qu'il y a une ressemblance. Alors, Jessica, darling, montre-nous ce que tu sais faire. J'étais sur le point de partir, en fait, alors... Elle est excellente, celle-là. Allez, viens. Montre-nous ce qu'est l'esprit de Westside. Montre-nous ce que t'as. Montre-nous ce que t'as. Montre-nous ce que t'as. Montre-nous ce que t'as. Ok, je peux y arriver. C'est juste de la physique, de la vitesse, de la masse et du mouvement. C'est rien d'extraordinaire. Il suffit d'être une battante. Je suis une battante. Tu ferais peut-être mieux... d'aller voir l'infirmière. Oui, je ferai surtout mieux... de faire autre chose. Ça me paraît une bonne idée. Je vais aller avec elle. Non, l'équipe a besoin de toi, il faut que tu restes. Tu vas être génial. Merci, Jess. Tu as réussi. Tu veux dire à m'humilier en beauté devant toutes les filles de l'école? Oui, c'est sûr. Non mais qu'est-ce que tu racontes? Tu fais partie de l'équipe, chérie Garcia vient de m'appeler. Il y a forcément une erreur ou un malentendu quelque part. À moins que je me sois fait aspirer dans un monde parallèle. Ok, alors pourquoi est-ce qu'elle m'aurait demandé de te dire de la retrouver au gymnase demain avant les cours pour faire un essayage? C'est vrai? Chérie, oh, je suis tellement fière de toi.
Tu perpétues la tradition familiale. Wouh! 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 Je suis sûre qu'elle l'a mieux fait tout à l'heure. Allez, viens. On va se faire un tête-à-tête. Oh! C'est obligé? C'est une tradition. Alors écoute, chérie m'a dit de te dire de ne répéter à personne que tu avais rendez-vous avec elle demain. Pourquoi? Parce que la liste officielle ne sera divulguée qu'après-demain. Et donc, maintenant que la règle numéro 2 de notre liste est cochée, si on passait à la règle 3, viens choisir ton premier petit copain. Tu te souviens? Est-ce que c'est vraiment urgent? Si tu attends trop longtemps, tous les meilleurs ont été choisis. Et tu risques de te retrouver avec un de ces bigleux de la section latin. Je suis dans la section latin. Oh, alors, t'as repéré quelqu'un? Il y en a forcément un qui te plaît. Il y a personne qui me plaît, d'accord? Et je suis pas comme toutes ces espèces de groupies qui sont là à saliver devant Burke Roy. Mais c'est ça. Je suis sérieuse, il m'intéresse pas. Ouais, ouais. Je t'ai fait venir ici pour te dire que la proposition que j'ai à te faire est un immense honneur. Ça demande une telle responsabilité que je ne m'aventurerais pas à te faire cette offre si je n'étais pas sûre de ton potentiel. Désolée, j'ai raté la fin des sélections. Est-ce que les autres filles se sont volatilisées ou alors sont tombées malades? Parce que c'est quand même assez évident que de toutes les candidates, j'étais de loin la plus mauvaise. Même le concierge aurait fait mieux. Jessica, je te propose de représenter l'équipe de Majorette, de Westside et de devenir notre mascotte, l'aigle majestique. Ok, je vois, vous me faites une blague. Les filles, vous pouvez sortir. Ça n'a rien d'une blague. Ça fait des années que j'essaie de réintégrer Majestique, mais je n'avais encore jamais rencontré quelqu'un qui incarne si bien ma conception de l'esprit Majorette. C'est-à-dire? Encouragée sans aucune crainte. Oh, je vois. Merci. Une dernière chose, et c'est un point auquel je tiens et sur lequel j'insiste. L'identité de l'aigle majestique doit absolument rester un mystère. Tu ne dois dire à personne que c'est toi surtout. Mais... À personne. Tu entends? Jamais. Pas même à ta famille, ni même à ton chien. On n'a pas de chien à la maison. Le jour où tu en auras un, surtout, ne lui répète rien. Ok. Préserver le mystère autour de cette mascotte est une tradition vieille de 50 ans. Et c'est une tradition de fierté, d'honneur et de gloire. Jessica, darling, sauras-tu garder le secret de la mascotte? Je dirai rien. Ça veut dire que tu acceptes? J'accepte. Félicitations! Cette conversation n'a jamais eu lieu. On est d'accord. Est-ce qu'elle va bien? Elle se fait craquer les doigts. C'est jamais bon signe. Il faut pas te mettre dans cet état. Au moins, tu t'es pas étalée par terre comme j'ai fait, c'est déjà ça. Allez, avoue que tu m'as trouvée ridicule et que je me suis tapée la honte. Heureusement que personne n'a filmé, sinon ça aurait déjà fait le tour sur Internet. Elle, au moins, elle a pu passer les sélections. Tout ça, c'est ta faute. C'est toi qui as voulu qu'on fasse nos costumes. Non. Je te signale que c'est toi qui as passé des heures à te peindre un poulet sur le visage. Et la mascotte, c'est bien un aigle? Ouais. Oh, je suis la liste. Je suis dessus. On a été prises. Je suis désolée que t'aies pas été retenue, Jess. Non, t'inquiète. D'ailleurs, c'est un peu comme si j'avais réussi. À travers vous. Vous nous avez volé nos places. Comment? Vous n'étiez même pas aux essais? Ouais, et ben vous avez eu de la chance parce que ces places, elles étaient pour nous et pour personne d'autre. Oui, sauf que c'est nous qui avons été prises. Dites, si je faisais la roue, ça briserait peut-être la glace? Non, juste tes dents. C'est pas faux. Est-ce que Sarah, Amanda et Bridget vont toutes manger ici? Parce que je vois le moment où tout le monde va s'envoyer de la nourriture au visage. Je vais garder mon orange. C'est un bon projectile. Ouais. Ah.
l'association pour la promotion de l'équipe Bon Esprit de Westside. C'est un club qu'on vient de créer. Une association pour la nouvelle élite uniquement... J'y crois pas. Un soutien pour athlètes. C'est pas les trucs que mettent les garçons au niveau de leur... J'étais sûre que les gens allaient penser à ça. T'étais pas censée le changer. Je l'ai peut-être pas changé parce que j'étais trop occupée à chercher une typo qui te convienne. La typo, c'est super important. Comment tu veux qu'on soit crédible aux yeux des gens si on utilise une typo ridicule? Non mais sérieux. Ça va, je vais la changer. Génial. Après ça, on pourra enfin terminer cette compète dans un bon esprit. Il n'y a rien qui soit meilleur esprit que de déclarer la guerre à ses camarades. Et puis d'ailleurs, c'est quoi cette manie de ne choisir que des mots en hête? Une jolie silhouette, une compète, tu me prêtes ton serre-tête? Ça et mes chaussettes. T'es trop chouette. D'ailleurs, je voulais te demander, comment ça se fait que tu sois amie avec elle? J'en sais rien. Manda vit à côté de chez moi et Sarah y vivait aussi jusqu'à ce que ses parents gagnent plein d'argent et achètent une maison beaucoup plus chic. Oh, avec un équipement sanitaire? Ainsi que du papier toilette. Ouais. Je reviens, je vais me chercher des cacahuètes. Là, c'est trop. C'est vrai. Bridget, tu ne devineras jamais ce que Manda et Sarah sont en train de faire. Est-ce que ça te dérange si je mange avec Tori? Pas tous les jours, hein, t'inquiète. Juste quelques fois. Genre aujourd'hui. On a tellement de trucs à se dire, vu que on vient d'être prise dans l'équipe. Ouais, d'accord. Je suis contente que vous soyez de nouveau amis. Si tu veux, tu peux venir avec nous. Tu pourrais nous aider à trouver une choré pour le prochain match. Non, je vais rester ici. Et puis surtout, c'est pas à moi qu'il faut demander des conseils en chorégraphie. C'est bon. Tu peux y aller. Eh ben, je vois que Bridget est assise à la table des nuls. Aucune fierté. C'est plus vraiment la table des nuls, apparemment. J'ai entendu parler de ta super glissade. Mais la bonne nouvelle, c'est que t'es plus obligée d'être majorette. On fait la rouler, Nunuche, on fait la roue. Hey. Je devrais pas rire. Ma copine Bridget est intelligente. Elle l'est pour l'instant. Attends qu'elle tombe du haut de la pyramide. Et là, le QI descend à zéro. Ça a dû souvent t'arriver. Oh, à ce qui paraît, tu fais la roue sans les mains? Ha ha. Oh, quelle erreur! Aujourd'hui, on va apprendre à se servir de la scie circulaire. C'est important de savoir s'en servir au cas où on serait attaqué par des zombies. Je voulais vous emmener à l'entrepôt de bois pour des travaux pratiques jeudi prochain. Mais au lieu de ça, on est censé aller à la répétition d'avant-match et ça risque d'empiéter sur l'heure de classe. Est-ce que l'un d'entre vous fait partie de l'équipe de football ou de la bande de majorettes? Oh, Dieu merci. Un conseil, les enfants. Ne cherchez pas le succès à votre âge. Vous l'avez cherché à quel âge? J'ai une péniche, un camping-car, une super bécane et des parts dans une entreprise de technologie prometteuse. Donc, on peut dire que je suis au sommet de la réussite. J'aime autant te dire qu'on a du pain sur la planche, jeune fille. C'est vrai? Avant la dernière heure de cours, tu auras les vestiaires pour toi toute seule. Ton costume t'attend dans ton casier. À toi de jouer, Majestic. Chut. Jessica! Oh, waouh! T'es super jolie. La jupe est pas trop courte? J'ai l'impression qu'elle est trop courte. Non, ça va. Enfin, elle est peut-être un peu courte.
Dites donc, Jessica a remporté un championnat de robotique pendant l'été. Vous pourriez la siffler, elle aussi. Je suis pas sûre que ça change grand-chose, mais c'était bien essayé. C'est une catastrophe. Ça manque de paillettes. Laissons-les savourer le moment. Parce quand l'équipe Bon Esprit débarquera au match, plus personne ne fera attention à elle. C'est bientôt l'heure de la répétition. C'est clair. Puis d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire? Que ça va être l'heure de la répétition, peut-être. Il faut que j'y aille. Est-ce que tu veux que je te réserve une place? Je préfère pas. J'ai l'impression que... je fais une indigestion. C'est sûrement la viande à la cantine qui a été mal congelée. Je file. C'est pour ça qu'on a un chef particulier qui prépare tous mes repas du déjeuner. Tu les jettes et tu manges des pizzas. Tais-toi. Wow. Cet aigle est gigantesque. Ça va aller. Tu es un aigle. Tu es un aigle. Quand j'avais 6 ans. Je la connais. Tu t'es évanouie. Wow. Mais surtout, tu as cartonné. Je savais que ce rôle de mascotte était pour toi. Tu as un talent pour l'improvisation humoristique. Et pourquoi tu ne m'as pas dit que tu connaissais la chorégraphie d'encouragement de West Side? Je savais pas que je la connaissais.
J'ai dû la retenir à force de regarder Bethany. En tout cas, tu as été fantastique. Vite, enlève ton costume et change-toi. Personne ne doit savoir qui se cache sous... majestique. T'as vu ce que j'ai fait? Mais ça ressemblait plus à un hibou que... Enfin, bref. Est-ce que je peux rester ici? Dépêche-toi! Il faut que Majestic se cache! Salut! Jessica, c'est ça? Ouais. La meilleure amie de Bridget, je crois. T'as une plume dans les cheveux. J'étais à l'infirmerie. Je me sentais mal. Vous vous souvenez? Pourquoi? Tu as raté un truc de dingue. Quel truc de dingue? La répétition. J'ai jamais vu un truc aussi génial. La mascotte était vraiment canon. Ouais, elle a carrément volé la vedette aux autres. À qui? Notre chorégraphie a été gâchée à cause de ce fichu poulet. C'est un aigle. On a travaillé super dur et tout ce qui intéresse les gens, c'est ce guignol déguisé en oiseau. Notre choré était super canon et personne ne l'a remarqué. Oui, alors, déjà, plus personne ne dit canon. Tu viens de le dire à l'instant. Ensuite, vous êtes juste jalouse. Moi, j'ai trouvé que ce poulet était super. C'est un aigle. Et j'ai trouvé qu'il reflétait bien l'esprit de l'école. Et c'est ce que nous recherchons, Bridget. Et c'est pour ça qu'il faut que l'équipe Bon Esprit se surpasse demain pour le match. Vous allez faire une choré devant le public? Encore mieux. On sera dans le public. Ça veut dire que vous êtes super fun! C'est génial! C'est vraiment cool de nous soutenir! Ouais, c'est vraiment sympa. Salut, Buck! Salut, Bridge. Vous avez assuré. Merci. À tout à l'heure. Tac! Tu viens, Dory. Non, mais je rêve. Il paraît que la mascotte a complètement saboté la répète. Comment ça? Ciao, ciao. Je sais pas qui se cache derrière la mascotte, mais cet aigle était trop cool. À mon avis, l'aigle, c'est Dirk Roy. Ça m'étonnerait, il était assis avec l'équipe de foot. Je sais pas qui est l'aigle, et même si je le savais, personne ne me croirait. Si je découvre qui se cache derrière cet aigle... Mais quel aigle? Jess! Est-ce que tu me cacherais quelque chose par hasard? Non, bien sûr que non. C'est pourtant l'impression que ça donne. Si j'avais un secret, j'en ai pas, je te rassure. Je serais incapable de te le cacher. Mais je te cache rien. C'est vrai? Mais oui. Tu jures du coude? Tu te rappelles de ça? Ça fait des années qu'on l'a pas fait. Oh, ok, je suis soulagée. J'ai horreur des secrets. Je les déteste presque autant que ce fichu pigeon. C'est un aigle. C'est pareil. Faut que j'y aille, on m'attend. On doit répéter avant le match. En tout cas, merci de m'avoir rassurée, Jess. Y a pas de quoi. Allô, Madame Garcia? C'est Jessica. À ce qu'il paraît, ils ont engagé un professionnel pour jouer la mascotte. Cet aigle est déjà méga populaire dans tout le collège. Attends qu'on y ait fait notre petit numéro demain soir. Ces majorettes vont se prendre une méga claque. J'ai une annonce. Les billets pour le bal d'automne seront en vente dès aujourd'hui, alors n'hésitez pas. T'as entendu ça? Un bal? Ils organisent déjà un bal? Eh ben, apparemment, ils sont pressés de nous faire connaître les joies de la mondanité. C'est clair. Prends-moi sur Scotty. Désolée, je l'avais déjà réservé. Les réservations comptent pas si c'est lui qui fait la demande. Si seulement je pouvais savoir quel genre de parfum de glace il adore.
Bridget. Je croyais qu'elle mangeait avec nous. Elle est derrière. Waouh, là, elle est montée d'un cran. Tais-toi, cette table sera bientôt à nous. Vous en faites pas, vous avez encore le droit de nous adresser la parole. Oh, ça c'est gentil. Tant que c'est pas trop souvent. Et tu vas au match demain? Je suis censée dîner. Avec ma tante. Elle est super vieille et chaque repas est peut-être son dernier. T'as pas envie de voir l'équipe Bon Esprit à l'œuvre? T'es pas un peu curieuse de voir ce que ça donne? J'aurais adoré. Mais je voudrais pas que ces derniers mots soient « Où est Jessica ?» Tu culpabilises. C'est mon côté italien. Alors, à quelle heure je passe te prendre pour le bal d'automne? À jamais et demi. Je serai là à jamais et quart. J'aime bien être ponctuel. Merci. Mieux vaut casser qu'en tailler, comme je dis toujours. Voilà de la glace. Serre les dents. Je suis sûr que ça va aller. Majestueusement bien. Bonne chance pour demain. À tout à l'heure, Bridget. Salut. C'est bon, là. C'était quoi, ça? De quoi? Peur que t'as fait ça, à l'instant. Non. C'est à toi qu'il a fait ça. On se connaît même pas. Pourquoi il t'aurait fait ça, alors? C'était pour toi, je t'assure. Bon, ok. Bridget? On se voit demain. Ouais. Salut. Franchement, il n'y a aucune ambiance dans ce public. C'est parce que le match est beaucoup trop tôt. N'oublions pas qu'on prépare le terrain pour notre future gloire. Équipe Bon Esprit! Jess va être tellement déçue de louper un événement pareil. Pourquoi? C'est son choix. Si t'es pas là pour voir le match, que ça te plaise ou non, tu seras jamais quelqu'un de cool. J'ai super chaud. Tu fais une crise d'angoisse parce que tu te dégonfles, c'est tout. J'ai pas envie de continuer à mentir, d'accord? Je suis désolée. Je préfère arrêter. C'est dommage. Tu es une mascotte extraordinaire. Je t'assure que tu as ça dans le sang. D'ailleurs, si par hasard tu changeais d'avis, je pourrais... Ça va être ton tour. Allez, à toi de jouer. C'est à elle. On y va! Allez! Les aigles! 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 Allez les filles! C'est à nous de jouer! Est-ce que ça va? Non! On n'a même pas eu le temps de finir la choré. Je parlais à... Majestic. Il doit être content.
Il nous a volé la vedette. On va pas la laisser comme ça. Quoi? C'est une fille? Non! Non! Personne ne doit connaître l'identité de Majestic! Une ab... Une battante! Une ab... Je suis une battante! Oui, excellent! Ça suffit, la mascotte mystérieuse a besoin d'air. Non! Jessica? Bridget, je... C'était toi? Depuis le début? Je te jure, je voulais te le dire, mais... Comment t'as pu me faire ça? Tu savais que c'était important pour moi et... Ça ne t'a pas dérangé de me ridiculiser et de nous faire toutes passer pour des idiotes. D'autant plus que tu m'as juré du coude que tu me cachais aucun secret. C'était faux. Tu t'es moqué de moi. Je suis désolée. Je suis ta meilleure amie. J'étais ta meilleure amie. Mais c'est vraiment pas ce que tu crois. C'est un truc de dingue. C'était Jessica. Mais elle n'est pas drôle en vrai. Tais-toi, Amanda. T'es jalouse parce que je suis dans l'équipe. Et parce que Dory et moi, on traîne ensemble. Tu nous as ridiculisés. Tu veux pas mieux que Sarah, Amanda et leur stupide équipe Bon Esprit. Hey, dis donc, ne mêle pas à tout ça. Je suis désolée. Madame Garcia m'avait demandé de le dire à personne. En effet. Je voulais que ça reste secret. Mais à moi, t'aurais pu le dire. Oups, faut que j'y aille. Et y a pas que sur ça que tu as menti. J'en étais sûre. Je le savais que tu aimais Burke. Jessica aime Burke? Non, non, c'est faux. Ta sœur m'a dit que t'avais craqué sur lui pour quoi? Attends, non mais qu'est-ce que tu racontes? Dory m'avait conseillé de t'en parler. Et tu m'as menti. T'as menti sur toute la ligne. J'ai pas menti. Et je te redis que ce garçon m'intéresse pas. Alors pourquoi j'ai l'impression que vous me cachez un truc? Parce qu'il savait que j'étais la mascotte. Ça s'arrête là. Je te dis que ce garçon ne m'intéresse pas. Et pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Mais rien. Eh ben alors il t'intéresse. Oh mais arrête. Viens, on s'en va. Désolée de vous avoir rien dit. C'est le meilleur secret du monde. Carrément. Dire qu'on se disait avec Manda qu'il fallait qu'on remercie ce mystérieux majestique d'avoir ridiculisé ce majorette. Et c'était toi. Tu es mon héroïne. Le match commence. Il faut qu'on y aille. L'équipe Bon Esprit. Tu sais, t'aurais pu me le dire. Je sais garder un secret. Je sais. Je suis désolée. Je sais juste pas prendre les bonnes décisions. J'espère que ça valait le coup. Ouais. T'inquiète. Jamais été aussi heureuse. Eh ben, alors. C'est rien. C'est pas ta faute si une guêpe est rentrée dans ton costume. Rien de tout ça est ma faute. C'est à cause de cette fichue liste. Comment ça? Quelle liste? Allez, viens. On va t'enlever ce costume de poulet. C'est un aigle. Je sais que tu ne voulais pas qu'on vienne, mais on est venu quand même. On est allé sur le terrain et on nous a dit que tu étais là. Que s'est-il passé? Est-ce que ça va? C'est rien de grave. Une guêpe est rentrée dans son costume et dans la panique, elle a foncé la tête la première dans un mannequin en mousse. Heureusement, l'aigle était bien rembourré, ça a amorti le choc. Est-ce que t'as compris un seul mot de toute cette histoire? Bien, je vais vous laisser en famille. J'étais pas dans l'équipe de majorette, d'accord? J'étais la mascotte du collège, l'aigle majestique. Oh, chérie, je suis vraiment désolée. Ça n'a plus d'importance. Je suis plus la mascotte de toute façon. J'arrête, je démissionne. Bien, c'est ta décision, mon cœur. Quoi qu'il arrive, tu fais le bon choix. Tout à fait. Thank you.
Qu'est-ce qui va pas? T'as du succès. Et tu l'as obtenu de la meilleure des manières. C'est juste que... Je croyais que dans ce cours, au moins, tout le monde s'en fichait. Moi, je m'en fiche. Si je m'en fichais pas, j'aurais pas dit à tout le monde que c'était toi. Comment t'as su? T'as une façon bien spécifique et bien communicative d'exprimer le stress. Ça ressemblerait un peu à ça. Hey. Tu sais, je voulais pas te... Je trouve que t'as assuré. J'aurais jamais pu faire ce que t'as fait. T'es en train de te moquer de moi? Pas du tout. J'ai trouvé super cool et courageux que t'oses faire ça, au contraire. Merci. Arrête! Alors, il faut qu'on te dise. On veut toutes danser ensemble au bal. Sans mec. Voilà ton ticket. Tu es sur la liste des cools? Non, pas du tout. Je suis tout sauf cool, je vous assure. Il est hors de question que j'aille danser. Et ça... Ça te dérange pas de passer aux yeux des autres pour la recluse bizarroïde qui a pas envie de faire la fête? Je te rappelle que j'ai été la mascotte du collège. T'étais trop cool! Tu vas être quoi maintenant? Heureuse pour commencer? Tu veux dire qu'être une fille bizarroïde et recluse qui a pas envie de faire la fête, ça te rend heureuse? D'accord, je vais venir danser. Vous avez gagné. Ah. Vous êtes contente? C'est pas pour nous. On fait un selfie? Génial, poste-la. Cool. S'il te plaît, dis-moi que toi aussi tu vas au bal. Je sais pas trop, je comptais aller à la foire ce jour-là. Et puis, je sens que ce bal va ressembler à n'importe quel déjeuner avec ça en fond. Ouns, ouns, ouns. Et je t'en veux encore de pas m'avoir dit que tu sais la mascotte. Mademoiselle Jessica, ça me fait plaisir de te voir. Alors, comment va cette piqûre? Elle est enflée. Et ta tête? Physiquement, j'ai juste une bosse. Pour le reste, tout le monde pense que je suis une menteuse, une cachotière, qui se prend pour un oiseau. Tout ça parce que j'ai essayé de suivre les conseils ridicules de ma sœur. Enfin, on peut dire pour résumer que j'ai fait une rentrée au collège catastrophique comme on en a rarement fait. Je pense que je vais changer d'établissement. Voire même d'état. Écoute-moi, le buzz va vite s'essouffler, tu verras. Vous dites ça pour l'abeille? Désolée, je voulais pas te piquer au vif. Ok, j'arrête. Je croyais que vous étiez censé m'aider. Je vais t'aider. En t'initiant à la course à pied en pleine nature. Tu savais que j'étais pas seulement l'infirmière du collège, mais aussi la coach de course à pied? Non. Ouais. T'as vu à quelle vitesse tu courais sur ce terrain, malgré les 15 kilos de plumes que tu avais sur le dos? Tu as un vrai talent, jeune fille. Viens t'entraîner demain après les cours. Tu le regretteras pas. Je pourrais avoir un mot de l'infirmière pour être dispensée? Réfléchis-y au moins. Centre commercial. Tu veux une robe pour aller danser, du maquillage, des jupes, une paire de sandales, des chaussures de course. Tu pourras peut-être trouver une paire dans un joli coloris. Ouais. Bien, mesdemoiselles, placez-vous toutes derrière la ligne. Ok. Les filles, je vous demande d'accueillir Jessica Darling dans l'équipe de course nature de Westside. À vrai dire, j'ai encore rien décidé. Cours, tu parleras après. 1,5 km pour s'échauffer. Ça fait 4 tours. Vous êtes prêtes au signal? C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et c'était qu'un échauffement sans guêpe dans le chapeau. Eddie, ça fait combien de temps que tu cours? Environ 7 minutes. Ah non, je veux dire que tu fais ce sport. Ah, environ 7 minutes.
Eh bien, je crois qu'on a enfin notre équipe de 4. Fini la rigonade. À nous les compètes, les filles. Wouh! Ouais. J'ai pas dit que j'étais d'accord. C'est bon, je suis d'accord. Hey, ça va la tête? Oh, depuis l'autre jour? Ça va, merci. Allez, salut. Attends. Est-ce que tu vas au bal avec quelqu'un? Hein? Je voulais te demander si tu voulais... Non! Waouh! Je suis désolée, c'est juste... J'y comprends rien. C'est Bridget que tu devrais inviter. Tu lui plais. Et à toi, non? Mais je te connais même pas. Et alors? Ok, écoute, je comprends vraiment pas pourquoi tu tiens à m'inviter. C'est juste que j'ai trouvé que ce que t'as fait était vraiment cool. C'est tout. Oh. Ouais, sauf que je te trouve bizarre d'un coup. Ouais, je suis une fille très bizarre. Tu devrais inviter Bridget. Ouais, ok, laisse tomber. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Eh oh, tu te décides à choisir une couleur ou quoi? T'étais là à regarder dans le vide. Désolée. Va pour le rouge. Et sinon, Burke te voulait un truc? Tu nous as vus? S'il te plaît, ne le répète pas. Les choses risquent d'empirer encore si ça sait. Est-ce qu'il t'a invité au bal? Peu importe. J'y vais avec des amis. Enfin, je crois que ce sont des amis. J'en sais rien. Je suis même pas sûre de les apprécier. Et toi, est-ce que tu vas y aller? J'y vais parce qu'il le faut. Ma mère m'oblige à y aller. Elle trouve que je me comporte comme un reclus bizarroïde qui ne veut pas faire la fête. On est tous bizarres, Alec. Il y en a qui le cachent mieux que d'autres, c'est tout. C'est Marcus. Qui ça? Mon prénom. C'est Marcus. Ah. Jessica. Vous avez un élégant prénom. Ça va. Pardon, elle était facile. Ben, qu'est-ce qui se passe? Noah Burman a lâché toutes les grenouilles au labo de biologie. La roue a tourné. C'est vrai? Ça, c'est cool. Tu t'es inscrite à la course? Ouais. Apparemment, j'ai un don pour courir en rond. Je suis contente que t'aies trouvé un truc qui te plaise. Merci. Et sinon, est-ce que... Je t'en veux plus. Je sais que tu avais juré à Madame Garcia de rien dire. Ce qui veut dire que si je te confie un secret, tu le garderas pour toi? Ça dépend. Je t'écoute. En vrai, je suis une pop star et personne ne sait. J'en étais sûre. Oui. Ok. À plus tard. D'accord. Les filles, ils m'ont invité au bal. On dirait que Burke a invité Bridget. C'est pas trop tôt. Pourquoi il a mis autant de temps? Bon, on y va, je vous attends. On a rendez-vous au collège. Dis camembert. Gorgonzola. Oh, tu es absolument ravissante, mon trésor. C'est tout, t'es sûr? Pas de commentaire? Mais non, au contraire. Enfin, tu pourrais peut-être mettre une touche de rouge à lèvres. Maman, s'il te plaît. Désolée, je me tais. Tiens, salut ma grande, je savais pas que tu venais. Oh, je voulais juste voir Jessica avant le bal. Tu es très jolie. Il te manque peut-être un peu de rouge à lèvres. Vous, vous êtes concertée? C'est ça que tu cherches? Non. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, d'après la fac, Bethany ne va plus en cours depuis 6 mois. Quoi? Ok, ça va. Vous savez tout. Je sais, je suis vraiment bonne à rien. Oh, chérie, tu sais bien que non. En revanche, on ne te versera plus un sou sauf pour ta nourriture et ton loyer. Jusqu'à ce que tes résultats s'améliorent. Mais et mon allocation vêtements, alors? Je regrette, jeune fille, mais je crains que tu ne sois obligée de... réutiliser tes vêtements. Non. Attends. Est-ce que c'est pour ça que tu passais régulièrement ici? Pour intercepter le courrier? Et cette liste débile que tu m'as donnée, c'était juste une excuse pour revenir?
Est-ce que seulement tu t'intéresses à moi? Mais évidemment, voyons. Et d'ailleurs, c'était important pour moi que tu te sentes bien au collège et... Je me suis mis en tête qu'il fallait que tu sois plus comme moi, mais... Au contraire, c'est moi qui aurais dû apprendre de toi. Tu es belle, tu es drôle, tu es intelligente. T'as jamais eu besoin de cette liste ridicule. Je suis désolée, Jess. Ma mère m'a prêté son collier. Il vaut près de 100 000 dollars, tu imagines? Ouais, ça fait 100 000 fois que tu me le répètes environ. C'est fou ce que t'es jolie. Essaie de pas avoir l'air si surprise. Oh, j'adore ce morceau. On va danser? Non, c'est beaucoup trop tôt, on attend un peu. Sarah, reviens là! Tu vas cacher notre super entrée! Bridget? Je sais bien qu'on sera plus jamais aussi proche qu'on l'était avant. Mais j'avoue que toute cette comédie, c'est un peu fatigant. Oh, oui, je suis d'accord. Alors, on pourrait peut-être faire la paix? Oui, ça me va. Et je suis désolée de t'avoir crié dessus. Merci. Et désolée de t'avoir rien dit pour Majestic. Merci. Les garçons ont envie de danser. Je dois y aller. Moi aussi, je dois y aller. Take this chance, gonna chase my future, build it with these hands, change my stars, I found my way, found my place, call me brave, I'm not afraid, not afraid, I see the tu fais là? J'ai pensé que t'aurais besoin d'une amie pour aller au bal. Mais si tu me fais courir, je m'en vais. T'inquiète. Comment t'as su que j'étais là? C'est ton pote de l'atelier bois qui me l'a dit. Ça fait combien de temps que tu me suis? Assez longtemps pour m'assurer que t'allais bien. Merci, Alec. Mais je croyais que tu t'appelais Marcus. Oh, ça dépend pour qui. Et comment il t'appelle au commissariat quand il t'envoie en garde à vue? Ah, excellent. Elle est cool, ta pote. Ouais, je sais. Écoutez ça. C'est parti. Quoi? Vas-y, toi. T'es douée. Hé, les filles.
close your eyes and you can see. We're flying to another world. Yeah, I'm your cosmic girl. We can be anything. It's like I'm dancing.